Salut tout le monde, c'est Luch, aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo c'est la vérité sur YouTube. Pas que je pense être le gourou ultime de YouTube, c'est juste une petite vidéo pour raconter un peu comment j'ai commencé YouTube, comment ça marche, ce que je fais, et surtout pour contrer des DM que je reçois de gens qui me font « Oh mon dieu, c'est quoi ton secret? Non mais comment tu fais pour faire nanana ?» Y a pas de secret les gars. Enfin, s'il y en a un, moi-même je sais pas, genre. C'est une petite vidéo pour aider ceux qui ont envie de commencer, ceux qui ont envie de se lancer, ceux qui hésitent, des bails comme ça, avec le peu de connaissances que j'ai, si ça peut en aider certains. Alors, salut tout le monde, je voulais juste revenir par rapport à tout ce qui était eBay Club, etc. pour mon concours que j'avais lancé dans ma précédente vidéo, qui était un haul. En fait, je suis pas obligé de faire ça, c'est juste que je l'ai mal fait, donc voilà. En gros, eBay Club, c'est un site de cashback et aussi un testeur de code promo. Donc en fait, le but, c'est tout simplement de vous faire faire des économies sur Internet. Vous inscrire, il y a le lien de parrainage dans la barre d'infos. Je demanderai pas de like parce que, je l'aime. Mais voilà, sinon, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bisous. Alors déjà, si vous voulez compléter cette vidéo avec deux autres, je vous conseille deux vidéos. Une vidéo qu'Antoine Daniel a fait sur des conseils pour commencer sa chaîne, et une vidéo que Seb Lafrite a fait qui s'appelle « Comment rater sa carrière YouTube ». Franchement, j'ai regardé ces deux vidéos quand j'ai commencé. Celle d'Antoine Daniel, c'est que des conseils hyper pertinents et hyper intéressants. Celle de Seb Lafrite, pareil. J'ai commencé YouTube il y a 4 ans, j'ai re-regardé cette vidéo et je suis content de toujours pas faire ces bails-là. Sauf celui-là, du coup. Fais des vidéos tous les 6 mois, c'est important d'être non régulier. Donc je vous conseille de regarder ces deux vidéos si vous voulez vous faire une petite culture ou un bail comme ça. Comment j'ai commencé YouTube, où et quand j'ai commencé à vraiment découvrir YouTube, à vraiment m'y intéresser quand j'étais en seconde, donc quand j'avais 15 ans. Quand j'ai commencé à regarder YouTube, j'ai regardé des bails de Kingsley, Shin Dawson, Jenna Marbold, Kingsley, mon préféré, et Superwoman aussi. Au début, je pense que je me suis vachement inspiré d'eux, même inconsciemment. Premier tips de cette vidéo, si vous voulez vous inspirer, il n'y a absolument pas de problème. C'est un problème quand on tombe dans la copie. Tombez pas dans la copie, c'est nul. Voilà, bref. Si j'avais été dans l'idée de me faire une chaîne parce que je trouvais ça inspirant quand j'avais commencé à les regarder, oui et non. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment confiance en moi et surtout, j'avais juste une webcam. Franchement, si j'avais commencé mes vidéos, elles auraient été horribles à ce moment-là. Est-ce que ça m'a empêché de faire des vidéos à la webcam plus tard? Absolument pas. Première vidéo que j'ai jamais faite, complète, montée, etc., c'était quand j'avais fait un Ice Bucket Challenge. En fait, j'avais fait un vlog, tout simplement. Alors, j'ai été nominé pour l'Ice Bucket Challenge par... Je viens vraiment de loin quoi. Sachez que ma première vidéo c'était ça et je l'avais postée sur Facebook. Ensuite j'en ai plus fait pendant 2 ans quelque chose parce que je m'étais rendu compte que c'était hyper gênant. Je dis ça maintenant, vos premières vidéos elles seront pétées. Vous les trouverez hyper cool sur le moment. Puis après vous les regarderez peut-être 6 mois, 1 an après, quelque chose, vous les trouverez nuls. Moi franchement mes premières vidéos, je sais que vous les aimez donc je les laisse. Mais moi j'ai honte franchement, je les trouve nuls. Et ensuite m'est revenue l'idée de faire des vidéos YouTube quand ma mère m'a offert un appareil photo. Puis un jour je me suis dit, oh, mais c'est possible de se filmer avec ça. Go créer une chaîne YouTube, go faire des vidéos. Je le dis de suite, c'est des vidéos que vous verrez jamais. J'ai tout perdu. Quand j'avais créé ma première chaîne, je m'appelais pas Luch, hein. Je m'appelais French Jerk. C'était une chaîne en anglais. Ça s'entendait à 4000 que j'étais français. Hello everyone, French Jerk here today. Je me gêne. Ma première vidéo, c'était quoi? C'était Do people hate French people? Je vais pouvoir parler anglais, je vais pouvoir faire comme mes youtubeurs préférés qui parlent anglais et tout. Non, c'était juste gênant. Moi, j'ai ouvert ma première chaîne YouTube quand j'étais en famille d'accueil, donc en première. Janvier, février, quelque chose. Ouais, mais... Pourquoi il parle anglais, genre? Il a des fans qui parlent anglais? Je crois pas. Ah, chaud. Et puis à un moment, ça m'avait saoulé parce que je trouvais plus ça très très drôle. Puis même moi-même, je m'étais dit, mais pourquoi je fais ça? Je pense que c'est grave un rite de passage. À ce moment-là, je m'étais dit que j'allais économiser des sous pour m'acheter un appareil photo pour faire de meilleures photos. Au bout de 6 mois, j'ai eu mon appareil photo. Puis l'été est venu et je me suis dit, pourquoi pas reprendre ma chaîne. Ma première vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, j'ai pas trop voulu me prendre la tête. J'ai voulu faire le tag ma première fois. C'est hyper nul, je sais. Et la deuxième que j'ai faite, c'est être métisse. Sauf que ça a pas trop duré parce qu'en fait, je me suis pris un troisième strike de YouTube pour une raison que je ne connais pas et ma chaîne pouvait plus être monétisée. Mais calme-toi. On m'a jamais traité comme ça. Mais calme-toi. Je m'étais pris un troisième strike et ma chaîne, c'est bon quoi. J'ai supprimé ma chaîne et je l'ai recréée et je l'ai appelée Luch. C'est à peu près ça qui s'est passé. Franchement, j'étais grave dégoûté de devoir fermer ma chaîne parce que j'avais dépassé 1000 vues sur être métisse. Je me sentais plus, je m'étais dit, oh, putain, mon dieu. Mais il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, t'inquiète, tu les referas ces 1000 vues. T'inquiète. Et j'ai repris les vidéos, j'avais changé de format. Même si je faisais pas des trucs de ouf, je me débrouillais un peu mieux en montage. J'étais plus moi-même et j'étais plus à l'aise vu que je parlais dans une langue que je savais parler. Surtout qu'en plus, le problème, c'est que quand on n'est pas forcément à l'aise à la caméra, on a tendance à en faire des tonnes pour justement
se dire que ça passe mieux, essayer d'être vous-même tout simplement. Moi je faisais mes petites vidéos, j'étais tranquille, quand j'ai vu 1000 abonnés je me sentais plus. 6 mois plus tard quelque chose, je crois que j'avais hurlé en cours quand j'avais vu ça, j'avais fait ah mon dieu. Et en plus bah mes potes cette fois ils me disaient pas que mes vidéos elles étaient nulles, tu vois, ils me disaient ah franchement non c'est bien, continue, c'est marrant. Et ma première vidéo pour moi, genre vraiment moi, c'était être métisse, parce que du coup bah c'est moi être métisse en fait. Une question qui m'est beaucoup revenue par rapport à YouTube et par rapport à comment j'ai commencé, comment se sont déroulés mes débuts, c'est par rapport au regard des autres dans mon lycée. Franchement j'en avais rien à faire. J'en avais grave rien à faire. B-I-C-T-H. À partir du moment où tu te soucies de la vie des gens que tu connais même pas, peut-être qu'il y avait des gens qui disaient que mes vidéos elles étaient nulles, mais déjà c'était jamais revenu dans mes oreilles. Surtout qu'en plus, si vous voulez un story time par rapport à ça, j'avais un rival youtubeur au lycée et lui il faisait des vidéos hyper nulles. Je pense que les gens ils calculaient encore moins par rapport à ça. Désolé si tu regardes cette vidéo, mais soyons honnêtes quoi. Par rapport au regard des autres, ça a jamais vraiment été un problème pour moi, parce qu'en fait je savais que mes vidéos elles étaient bien. Moi dès le début sur ma chaîne j'ai pas voulu faire des vidéos bâclées. En fait moi je suis hyper perfectionniste et je déteste faire une vidéo bâclée. Pour ma story time, mon histoire d'amour d'internet, j'avais 3 heures de rush, j'avais passé littéralement une semaine dessus, je m'endormais à 8 heures du matin, je faisais une sieste et je reprenais à 11 heures. J'aime pas faire des trucs nuls. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais moi je déteste faire des trucs nuls. Si j'ai envie de mettre un truc, j'ai envie d'en être fier et j'ai envie que ce soit bien de A à Z. Parce qu'en fait, moi je pars du fait que YouTube c'est hyper grand. Si t'aimes pas un YouTuber, bah c'est pas grave, y en a un autre qui te plaira mieux. Donc moi je me suis toujours dit, on peut ne pas m'aimer, on peut ne pas aimer ma personnalité parce que franchement c'est des choses qui arrivent, mais on pourra jamais me dire qu'une de mes vidéos est mal faite. Ça se trouve, y a des moments gênants parce que bah je suis archi gênant comme mec. Mais ouais, franchement, j'aime pas trop parce que c'est pas mon délire, mais c'est bien fait. Moi ça me suffisait, j'étais hyper content. J'adore filmer cette vidéo. Je sais pas pourquoi, j'aime grave. En fait, je pense que le truc principal, c'est que bah les gens ils m'ont jamais rien dit par rapport à mes vidéos parce que bah j'aurais quelqu'un qui pourrait se ramener et me dire t'es moche, je le regarderais, je ferais c'est faux. T'es reproche en fait, mais je m'en fous à un point. Mais c'est violent. Terminé, bisous. Après, est-ce que je fais partie de ces gens qui disent les haters c'est forcément des jaloux? Non gros, il y a des gens qui t'aiment pas parce qu'on t'aime pas. En fait, je pense que si vous voulez commencer sur YouTube, faut juste vous faire à l'idée que tout le monde ne va pas vous apprécier comme dans la vraie vie en fait. Derrière un ordinateur, les gens ils ont aucune race pour dire que t'es moche, que tu pues, que t'es ci, que t'es ça. Au début de ma chaîne, j'écrivais mes vidéos intégralement. Tout ce qui était ma série est, j'avais des scripts de 6 pages mon frère. Finalement, j'utilisais souvent la moitié parce que la plupart de mes blagues elles étaient nulles. Mais je pense que c'était important pour ce genre de format de vidéo parce que j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire, de ce que je voulais dire. Dès ma première vidéo, j'ai voulu faire ma vidéo de la meilleure manière possible. Au niveau de mes moyens, au niveau de mon niveau en montage, au niveau de mon aise devant la caméra. Ok, t'as fait ça, ça a plu, c'est bien, fais mieux. C'est juste que c'est progressif en fait. Dites-vous que si vous commencez votre chaîne, personne n'en aura rien à faire. Tu vas pas faire 100 000 vues sur une première vidéo, hein. Personne va te calculer. T'auras 23 abonnés, au max tu feras 100 vues sur une vidéo et tu seras content. Ensuite, pour venir à mon matériel, j'ai pas eu de lumière avant d'emménager à Marseille et je crois que j'ai acheté mes lumières. Ouais, il y a un an exactement à peu près. Sinon, mon meilleur allié, ça a toujours été le soleil. Ensuite, pour venir aux vidéos en elles-mêmes, donc le montage, etc. Moi, il me faut une préparation d'une heure. Faut que je boive mon thé, faut que je fume ma clope, faut que je fasse mes bails à côté. Et ensuite, je suis prêt à filmer la vidéo. En général, j'ai minimum une heure de rush. Je sais que pour certains, c'est énorme. Avoir des vidéos avec 30 minutes de rush, mon rêve. Les rushs, c'est la vidéo brute, sans montage, pour ceux qui connaissaient pas. Au montage, je mets énormément de temps parce que comme je vous ai dit, je suis un malade, je suis hyper perfectionniste. Moi, sur une vidéo, je peux passer minimum 10 heures. Maintenant, j'ai un Mac, je monte sur Final Cut Pro et franchement, c'est génial. Le cut, c'est l'une des parties les plus chiantes. Au bout d'un moment, toi, tu sais, toi, tu connais le contenu de ta vidéo et t'es en train de reparler en boucle, c'est hyper chiant, genre. Petit conseil par rapport au cut, voilà, genre par exemple, le E, enlevez-le. Enlevez-le, ça sert à rien, ça rend votre vidéo moins fluide. Le son, bah ça traîne. Donc ça fait que la vidéo traîne. Bon après, chacun son montage, moi je vous dis de ma perspective comment je fais. Est-ce que je connais tout? Absolument pas. Le monteur de Squeezie, il me chie dessus, genre il est en train de regarder cette vidéo, il est mort de rire quoi. S'il y a un moment de la vidéo qui pour moi n'est pas forcément pertinent, je vais l'enlever, je vais rejouer la vidéo en entier et ensuite je vais me dire ok, ça sert à rien, le remets pas. Si je pense que j'ai été de plus en plus confortable devant la caméra au fur et à mesure, bien sûr que oui. Après évidemment ma personnalité a évolué, enfin c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Le truc qui était bien quand j'avais commencé ma chaîne, c'était bah que la plupart de mes abonnés c'était mes potes en fait. Si vous voulez un conseil pour être plus à l'aise devant la caméra, pour parler avec plus d'aisance, être plus à l'aise, faites comme si vous parliez avec votre meilleur pote. Si vous voulez amorcer le truc,
faites une vidéo avec votre ami, ne la publiez pas forcément, et ensuite bah essayez de reproduire cette vidéo avec un pote, mais tout seul. D'ailleurs Farah, si tu regardes cette vidéo, bah... gros bisous, je t'aime, c'est la première personne avec qui j'ai filmé une vidéo sur ma chaîne, ma première collab, genre. Et cette vidéo n'est très heureusement plus en ligne. Ensuite, juste un truc, commencez pas YouTube pour percer, c'est hyper nul, vous faites honte à ceux qui font ça par passion. Ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent faire YouTube juste pour percer, vous savez qui vous êtes. Dans ceux qui commencent YouTube, il y a un lot, il y a ceux qui veulent percer et il y a ceux qui font ça parce qu'ils aiment bien ça, puis ensuite qui profitent des opportunités qui s'offrent à eux. Si vous voulez faire ça pour l'argent, si vous voulez faire ça pour percer, moi je vous le dis direct, vous allez garder votre chaîne pendant 3 mois. Et ensuite ça va vous saouler parce que ça va être trop de travail pour vous, parce que franchement, être YouTuber c'est dur. Comment je pense aux vidéos que j'ai envie de créer et les trucs que j'ai envie de faire, bah en fait, soit je me dis ah c'est intéressant, viens tu le fais, ou sinon ah c'est hyper con, viens on fait ça. C'était ça pour mon sugar daddy fait mon shopping, c'était ça pour mon copain fait mon shopping, ou pour d'autres vidéos un peu what the fuck. Pour ceux qui veulent savoir, il y a énormément de vidéos que je fais mais que je poste pas parce que je les trouve nulles ou que le sujet est pas forcément intéressant. J'avais filmé un gameplay quand Animal Crossing sur téléphone était sorti. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Je vous avais dit sur Twitter de me poser quelques questions, donc je vais y répondre là. Première question, est-on obligé d'avoir une agence ? Ça fait 4 ans que je fais des vidéos, je ne suis pas dans une agence. Je me porte très bien. Les agences, ça sert à rien pour les youtubeurs qui commencent. On parle des agences, donc je vais vous parler des networks. Pareil, ça vous sert absolument à rien de signer dans un network hyper tôt quand vous commencez votre chaîne. La plupart des networks, ils veulent vous mettre des étoiles dans les yeux, ils vont vous promettre 25 millions de trucs. Je ne vais pas vous parler de mon expérience personnelle avec des networks. Voilà. Moi, j'aime bien comparer les networks à des maisons de disques pour youtubeurs, genre. Donc, informez-vous, parlez-en à vos parents. Si vous avez 3000 abonnés, ça sert à rien. Tu vas faire un partenariat avec quoi ? Pour recevoir un shampoing. Célia, Simi Movie, mon cœur d'amour. Allez voir sa chaîne. Qui dit, dis-leur que le super vidéo, je t'adore, sinon j'ai commencé une chaîne YouTube. Va t'abonner, copier-coller sous toutes les vidéos qu'ils voient dans leurs suggestions. Marche pas, s'il te plaît. Ah, petite salope ! C'est relou, vous saoulez. Tout le monde. Toi et ta petite clique de merde là. Moi je vais vous le dire, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ok, on a tous envie de visibilité, etc. Ok, je comprends. Des fois il y a des youtubeurs qu'on admire au niveau de la qualité de leur travail et on a envie d'avoir leur avis. C'est pas du tout la même chose que ce genre de commentaires. Et franchement vous êtes juste saoulant. Je me sens mal de dire ça mais... vrai, tu gagnes combien ? Assez. À tes débuts sur YouTube, comment était le regard des gens envers toi ? Aucune idée, ça m'intéressait pas du tout. Enfin, tout ce qui m'intéressait, c'était le positif, c'était en mode « t'aimes bien ma vidéo ? Oui, cool. T'aimes bien ma vidéo ? Non. » D'accord, je vais grave continuer quand même. Comment arriver à se démarquer sur YouTube avec tous les youtubeurs et concepts qui existent déjà ? N'essayez pas de faire les vidéos qui marchent. Ayez des idées originales. Ça, c'est une question à laquelle j'ai jamais vraiment pu répondre. Il y a beaucoup de questions par rapport à « j'ai envie de poster ma première vidéo, j'ai peur, blablabla ». Je répète, vous allez avoir 10 abonnés, personne va vous cala. Au pire, il y a quelqu'un qui va faire « ouais, votre vidéo, elle est nulle ». Et après, ou sinon, petit conseil, faites votre vidéo dans votre coin, expérimentez, essayez des trucs, mettez-les en non répertorié, envoyez les liens à vos potes, à des potes à qui vous faites confiance, qui vont pas vous se foutre de votre gueule et qui vont vous donner de vrais conseils. Et une fois que vous vous sentez prêt, que vous savez que vous avez une vidéo clean à poster, bah postez-la. Comme j'ai dit, faites-la du mieux que vous pouvez. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous postez votre première vidéo et que vous la faites du mieux que vous pouvez, et qu'à chaque fois vous voulez essayer de faire mieux, la qualité de votre contenu, elle va faire comme ça en fait. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube ? Parce que j'avais envie. Les vrais savent qui sont là depuis longtemps, savent que je suis très touche à tout et que j'aime tout faire et que j'aime juste créer. YouTube, c'était un autre mode d'expression que j'avais jamais testé. J'ai essayé, ça m'a plu, voilà. J'ai bien envie de me lancer, mais comment faire au début lorsque personne ne te connaît ? Pensez-y, quand on regarde des vidéos, est-ce qu'on commente systématiquement ? Est-ce qu'on met systématiquement des pouces bleus ? Est-ce qu'on partage ? Pas forcément, sauf quand la vidéo nous plaît énormément. Donc laissez votre talent parler pour vous et le reste suivra. Moi en fait ce que j'aime bien par rapport à mon parcours sur YouTube, même si j'aime pas dire ça, bah j'ai commencé en étant abonné, et je suis toujours un abonné d'ailleurs. Moi j'ai des youtubeurs dont je suis énormément fan. Genre si je vois Mister V par exemple, je vais grave faire... Salut Vic ! Aussi, s'il vous plaît, c'est une petite parenthèse, une très petite parenthèse qui est pas forcément très grave. S'il vous plaît,
arrêter de demander quand telle ou telle vidéo va sortir. Et c'est juste hyper stressant, enfin ça fait comme si ça devenait une obligation en fait de poster. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais si vous voyez cette vidéo et que vous avez tendance à faire ça à d'autres youtubeurs, pensez-y, ou pensez à moi, juste pensez à moi, moi ça me stresse. S'il vous plaît, le faites pas. La médiatisation et la notoriété à gérer. Quand vous y pensez, moi je vous raconte que les trucs dont j'ai envie de parler sur ma vie. En gros, s'il y a quelqu'un qui a envie de me tuer et qu'il a envie de rassembler des informations sur moi, les trucs dont je parle, c'est pas des trucs qui peuvent l'aider à me tuer. C'est hyper étrange, je sais. Moi, j'essaie de pas trop raconter ma vie personnelle de tous les jours. Après, est-ce que vous me connaissez réellement ? Des fois, je reçois des messages gênants, genre par exemple, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé « Je veux coucher avec toi ». J'ai trouvé ça très étrange, et je crois que c'est le pire message que j'ai jamais reçu d'ailleurs. Des fois, il y a des gens qui me suivent, c'est hyper effrayant, arrêtez s'il vous plaît. Enfin, franchement, je suis personne, hein, donc est-ce que c'est un problème à gérer là maintenant? Non, juste un truc, c'est qu'il faut que je me censure un peu, parce que moi je suis quelqu'un de très spontané, sauf que je peux pas dire tout ce qui me passe par la tête, parce que sinon on va dire nieu-nieu, lui il est méchant, donc voilà. Comment créer rapidement des contacts avec d'autres youtubeurs? La première personne de YouTube à qui j'ai parlé, c'est Jovin, parce que c'est une abonnée qu'on avait en commun, genre je crois qu'on avait tous les deux 6000 abonnés ou quelque chose, elle nous a fait « Ouais, vous devriez grave parler, vous allez vous entendre hyper bien, j'en suis sûr », et 2 ans après, bah, c'est vraiment un de mes meilleurs potes de YouTube, genre. Et après, bah, j'ai rencontré tous les autres. Et voilà. Question très pertinente par rapport à mes parents pour savoir si j'ai eu leur soutien ou non et si je leur ai dit directement quand j'ai commencé YouTube. Mon père, il était vachement paranoïaque et il suivait à peu près tout ce que je faisais sur internet. Donc il a su très rapidement que je faisais des vidéos et franchement, il m'a dit bah t'es drôle. Les seules vidéos que mes parents n'ont pas réellement appréciées, c'est les vidéos où je les mentionnais parce que parents, genre mes vidéos de rubrique insolite. Genre, ils me disaient mais pourquoi tu lis ça? Voilà, c'est tout. En fait, mes parents, ils ont jamais été très chiants par rapport aux trucs comme ça, parce qu'en fait, j'ai jamais été un enfant à problème. Je sais pas si c'est bizarre de dire ça comme ça. Et mes parents, ils ont toujours su que j'aimais créer des trucs. Donc là, ils se sont dit, ok, son nouveau terrain de jeu, c'est YouTube. Aussi, par rapport au matériel, c'est juste une petite parenthèse. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel de ouf pour commencer vos vidéos. L'exemple le plus pertinent que je peux donner, c'est Cyprien. Cyprien, il filmait ses premières vidéos, ses premiers podcasts sur un iPhone 4. Et je crois même qu'il avait commencé sur la webcam aussi. Moi, j'ai un iPhone 6. Il y a des moments de vlog, par exemple, que j'ai filmé avec les deux caméras de mon iPhone 6 et... bah, c'était très bien comme ça. Cyprien, il a fait ses premières vidéos avec son téléphone. La qualité de ses vidéos aujourd'hui, elles sont ouf. Mais il a commencé avec son téléphone. Comment débuter sur YouTube? Par quel genre de vidéo? Etc. Si tu te poses ce genre de questions, t'es dans la merde. Fais la vidéo que t'as envie de faire. Non, faites les vidéos que vous voulez. Je pose ça là, après vous en faites ce que vous voulez. Si quelqu'un vous demande, ouais mais tu veux faire quoi sur ta chaîne? Et que vous répondez, bah je sais pas. C'est mauvais signe. Comment bien débuter et ne pas abandonner sa chaîne YouTube? Car moi c'est quelque chose qui m'intéresse bien de faire une chaîne. Être passionné. Il n'y a plus de questions. J'espère que cette vidéo aura éclairé ceux qui souhaitent se lancer, ceux qui ont envie de commencer, ou certains qui voulaient juste savoir ce que c'était un peu d'être youtubeur, plus dans le détail, dans l'aspect technique ou personnel de la chose. J'espère qu'elle était bien faite. Voilà, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, dites-moi et je les ferai. Voilà, c'est tout. Bye. PM, dot dot, I'm out this bitch. Quoi?